Bonjour et bienvenue dans la neige et le froid. Bienvenue ici aux portes du Morvan. Nous sommes en gare de Clamecy. C'était autrefois ce que nous aurions pu appeler la France ferroviaire profonde, la ligne qui prend son origine à La Roche sur l'artère impériale pour rejoindre Auxerre et Cravant avec bifurcation d'un côté vers Clamecy-Corbigny et de l'autre vers Avallon-Étang, n'a certes rien perdu de sa ruralité, mais elle a été sérieusement modernisée. L'an dernier, après d'importants travaux, la vitesse a été relevée de 60 à 90 entre Cravant et Clamecy, et il en sera de même cette année sur Avallon. Côté matériel, ce sont désormais les BGC 73500 qui font la loi. Illustration de cette modernisation, nous avons accompagné pour vous le train 891-153, assuré en BGC de Paris-Bercy jusqu'à Clamecy. Ce matin-là, 3 heures plus tôt, en gare de Paris-Bercy. Le 891-153, départ 8h18, est assuré par une UM de BGC. En cabine, Jocelyn Cochet, cadre transport traction à l'UP de La Roche, et le conducteur du même établissement, Ludovic Poulizac, en pleine consultation de la fiche ligne hebdomadaire et de la Vie Flash. Par exemple, je sais que là, il y a des travaux de prévus à Melun, entre Comble-la-Ville et Melun, sur la voie 1 bis. Et l'incidence pour moi, c'est que je vais perdre du temps. Donc je peux éventuellement anticiper sur ce temps, qui me permettra d'arriver à l'heure. Oui, c'était juste pour t'annoncer que la voie Tango, à 8h18, était bon au départ. Là, en l'occurrence, on est censé passer systématiquement par la voie 1, mais il est fort possible qu'on puisse passer par la 1 bis ou autre. Donc la chef de service qui est là-bas va appeler le chef de poste qui fait la circulation, afin que lui puisse nous ouvrir la signalisation pour partir. Sachant qu'au départ d'ici, la particularité, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en bout de quai un SLD, un signal lumineux de départ. Le SLD. Ouais. Donc là, on a l'autorisation de fermeture. PD, ça et ça. Ok, donc tout est bon. Donc là, j'ai desserré ma rame, j'ai juste laissé du freinage seulement au niveau d'un essieu. Pour être prêt à partir. Hein. Départ. Départ. Allez, c'est parti. Allez, bonne journée. Allez, on est parti. Donc là, on va faire un petit essai de roulage. Par principe, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas et aussi un essai de VA. Ouais, donc là, je disais tout à l'heure, là, le SLD, là, le signal lumineux de départ, faut bien vérifier qu'il soit bien présent et présenté surtout. Ouvert, c'est bon. Voilà, et donc là, on va emprunter la voie 1M. C'est affiché, donc ça correspond pile poil à la fiche frein, les indications de vitesse, quoi. Dans le cas contraire, faut pas forcément suivre la fiche frein. Donc là, on sort à une vitesse de 30 km/h sur les aiguilles de sortie, là, jusqu'à quand on passe au principal. Voilà. Il faut attendre d'avoir dégagé complètement. Donc le poste de Bercy à droite. Donc là avec les aiguilles à droite, on peut aller sur la petite ceinture, on peut engager sur la petite ceinture. Ah ouais, toi lui il attend pour garer. Hein. Ouais. Voilà, une fois qu'on aura tout dégagé, là, la zone du poste, on pourra reprendre notre...